Jour 445. Encore une fois, de nombreuses bonnes nouvelles nous parviennent de la région de Bakhmout. Les Ukrainiens ont finalement réussi à isoler les troupes russes dans un saillant sur le flanc sud et effondrer la défense russe sur plusieurs kilomètres en une seule fois. Précédemment, nous avons vu qu'après que les Ukrainiens ont réduit les Russes à néant en se déplaçant le long du canal et en poussant à quitter leur position devant Klishivka, les Russes dans la forêt ont été encerclés. Ils ont tenté de résister pendant plusieurs jours dans l'attente d'une opération de déblocage par les troupes Wagner ou les unités aéroportées. Malheureusement pour les Russes, l'opération de déblocage a échoué. Des images récemment diffusées montrent que les forces russes ont tenté de repousser les Ukrainiens des haies d'arbres devant Ivaniske, afin de prendre le contrôle des champs et de permettre une retraite en toute sécurité. Les forces russes ont même envoyé un char pour aider à établir le contrôle du champ et fournir une couverture aux troupes en retraite, mais il a été détruit par l'artillerie ukrainienne déjà en approche. Pendant ce temps, les problèmes des Russes dans la forêt se sont aggravés de minute en minute, car l'artillerie ukrainienne a également réussi à détruire plusieurs abris contenant des munitions. Il semble que les Russes aient également perdu leur connexion et n'aient pas pu communiquer. Par conséquent, lorsque les Ukrainiens ont commencé leur opération d'assaut, les Russes n'ont pas compris qu'ils étaient complètement encerclés et se sont battus jusqu'à ce qu'ils soient éliminés. Aujourd'hui, un combattant ukrainien a indiqué qu'ils avaient complètement nettoyé la forêt. Plus tard, des sources russes ont confirmé cette information et ont également indiqué qu'ils avaient perdu deux colonels. L'un des colonels était le commandant de la 4e brigade des fusiliers motorisés. L'autre colonel était le commandant en second. Tous deux ont succombé à des blessures mortelles, de sorte que toute la brigade est désormais privée de son haut commandement. Il est intéressant de noter que les combattants ukrainiens des unités d'assaut ont indiqué qu'ils avaient si bien isolé les Russes dans la forêt que pendant l'opération de prise d'assaut, les équipes de mortiers russes n'ont pu tirer sur eux qu'une douzaine de mines. Un combattant d'une autre unité d'assaut a déclaré avoir remarqué une diminution des tirs d'artillerie russe sur les flancs et a émis l'hypothèse que la récente frappe HIMARS des Ukrainiens a démoli une grande partie de l'artillerie russe, de sorte qu'ils n'ont plus que pour maintenir un pilonnage intense de Bakhmout et de Chassiviar. Le vice-ministre ukrainien de la Défense a indiqué qu'aujourd'hui les Ukrainiens ont pris le contrôle de 10 positions russes autour de Bakhmout. La situation actuelle indique que les Ukrainiens sont enfin prêts à prendre d'assaut Klishivka. En fait, la préparation de l'artillerie a déjà commencé. Des images récemment diffusées montrent comment un opérateur de drone ukrainien a repéré 3 camions qui ont livré des renforts à Klishivka, qui ont été ensuite détruits par l'artillerie ukrainienne en même temps qu'un petit dépôt de munitions. Une autre séquence montre comment l'opérateur du drone a repéré le deuxième renfort pendant la nuit et que l'artillerie ukrainienne a commencé à bombarder au moment où les troupes ont sauté des camions. Le chef du groupe Wagner, Prigozhin, a récemment publié une vidéo dans laquelle il explique pourquoi le ministère russe de la Défense ment sur la stabilité de la situation. Selon lui, le ministère de la Défense se concentre sur les implantations plutôt que sur les positions tactiques. Et dans la plupart des camps en Ukraine, les implantations sont situées dans les plaines et ne signifient pratiquement rien. Ainsi, alors que le ministère russe de la Défense indique que les Ukrainiens n'ont pas réussi à prendre Berkivka, par exemple, ils progressent avec succès sur les hauteurs tactiques. La même chose se produit actuellement sur le flanc sud. Les Ukrainiens se déplacent le long de la crête, qui va de Chassiviar à Kourdioumivka. Ils ont déjà pris le contrôle de la forêt des collines, autour de la forêt et à l'est du canal, et sont prêts à prendre d'assaut deux fortifications qui protègent Klishivka. Si cette attaque réussit, les Ukrainiens contrôleront une immense plateforme qui leur permettra d'attaquer en aval et de couper Bakhmout par le sud. Ils ouvriront probablement une ligne d'attaque de soutien vers Kourdioumivka pour fixer les troupes russes tout en se déplaçant vers Zaïtseve et Vesele. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous voulez soutenir le travail que je fais, pensez à faire un achat dans la boutique en ligne UA Supporter. Vous y trouverez de nombreux produits portant des symboles ukrainiens afin de montrer votre soutien non seulement à cette chaîne, mais aussi à l'Ukraine. Le lien vers la boutique en ligne se trouve dans la description. Merci de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous dans le prochain reportage.